Salut tout le monde, c'est l'acteur Sonis. On se retrouve pour une nouvelle annonce, encore une, oui, ça s'enchaîne. Pour deux, trois petites choses. Premièrement, je commence par vous préciser que... alors du coup, c'est le samedi... Samedi... Attendez, j'ai plus les dates. Il est pas le jour, mon truc il est pas bon. Ah si. Donc samedi 4 mars, je me promènerai dans la Medinazia à Bruxelles, donc en Belgique. Si jamais quelques nordistes hein, parmi mes abonnés y vont et puis ils souhaitent me rencontrer, ça pourra se faire éventuellement. Hein. Tout simplement, peut-être en passant par mon Twitter ou quelque chose comme ça, je ferai une annonce ou je préviendrai... ceux qui m'ont dit qu'ils seront et puis qui voudraient me croiser. Voilà, donc la Medinazia, comme je disais, c'est à Bruxelles. Pour information, les entrées sont à 14 € sur place, si je dis pas de bêtises. Et le parking est à 5-6 balles, je crois. Quelque chose dans le style. Donc ça ferait 20 balles en tout. Si jamais, voilà, des personnes ont besoin de plus d'informations, voilà. Bref, donc vraiment j'y vais pour me balader, hein, je serai avec ma copine Yarnasco, normalement c'est tout, je crois qu'il sera peut-être pas tout seul, je sais pas trop. En tout cas ma bagnole a 4 places, donc s'il veut venir avec quelqu'un, il viendra. Bref, donc voilà, c'est juste pour vous parler de ça, hein, j'en profite. Vu que c'est quand même de temps en temps on me dit « Hey, t'habites dans quel coin j'aurais bien te rencontrer, machin. » Voilà, je vous en parle là. Bien sûr, j'y vais en tant que spectateur, entre guillemets, en tant que, voilà, je sais pas, simple badaud qui vient se promener dans le truc, hein, je suis pas un invité, j'ai pas de stand, j'ai pas de truc, j'ai pas de machin, hein. Je précise à chaque fois, parce qu'il y a des fois, on me dit, hey, mais tu seras invité à la convention, machin, chouette, ça, je vous jure, ça m'est déjà arrivé. Alors que, waouh, les mecs, j'ai même pas 5000 abonnés, oh, je suis pas fameux du tout, pas du tout assez, hein, en tout cas... Peut-être à partir de 100 000 abonnés, on peut peut-être espérer, mais faut pas espérer trop, là. Bref, donc ce petit aparté est fait. Maintenant, parlons du sujet qui fâche. Doom. Ce putain de jeu. Donc, clairement, je laisse tomber l'idée de vous le présenter sur la chaîne, tout simplement parce que il veut pas marcher correctement sur mon PC, c'est un truc de fou furieux. C'est-à-dire que j'ai remis, même en remettant un jour mes pilotes de carte graphique, au cas où il y a un truc qui n'était pas à jour ou quoi, il tombe toujours pas correctement. Pour rappel, le problème c'est que si je veux faire ça en streaming, donc si j'essaie de streamer avec OBS depuis mon PC, le problème c'est que Doom n'aime pas que OBS tourne derrière, ça le fait complètement planter, ça fait n'importe quoi. Déjà que Doom n'aime pas faire les Alt+F4 si y a l'overlay Steam en route. Si j'ai OBS à côté, c'est foutu. J'essaie avec OBS, classique, OBS Studio, avec XSplit, aucun de ces gènes n'a voulu fonctionner. J'essaie de faire du streaming depuis le PC portable de ma copine, du coup, en branchant avec... en reliant mon écran de PC à mon boîtier de capture HDMI pour voilà, avoir un retour, à vous envoyer. Le truc, c'est qu'en live, le résultat est dégueulasse. Apparemment, ça rame beaucoup trop pour que ce soit regardable. J'ai fait des tests d'enregistrement et pareil, je sais pas pourquoi, là, ça rend pas bien du tout. Ça rend pas super top, donc tant pis. Je pense qu'en fait, le PC de ma copine est simplement pas assez puissant pour gérer ça correctement. Le fait de gérer une réception d'image en HDMI HD, que ce soit 720 ou 1080, même avec un débit assez bas, c'est-à-dire que j'avais testé en 720p à 6 mégas de débit, excusez-moi. Et c'était pas très concluant, quoi. De toute façon, de base, 6 mégas pour l'enregistrement, c'est pas beaucoup. Vaut mieux mettre minimum 8, et je dirais même plutôt monter à 10-12 pour avoir un truc vraiment d'une qualité parfaitement correcte, et ouais, le PC, il arrive pas trop, quoi. Pourtant, c'est un système que j'avais fait à l'époque pour... Merde, j'ai oublié le nom... XCOM 2. Je me dis pas de bêtises, si je dis pas de bêtises, à la base c'est ce que j'avais fait pour XCOM 2. Et pourtant ça avait bien marché, donc... Et je pense que vraiment que le PC de ma copine est en train de rendre l'âme doucement, il va falloir soit trouver quelque chose pour le nettoyer correctement, soit pour
faire avoir des performances correctes, soit va falloir changer, mais voilà, là, le pognon, ça va être compliqué, quoi. Bref. Et donc, sinon, même pour enregistrer depuis mon PC, si j'utilise Fraps, Fraps, en fait, capture, garde la première image sur laquelle j'ai lancé Fraps, et c'est tout. C'est tout ce qu'il enregistre. Il y a le son, il n'y a pas de souci, mais alors le reste, walou, il enregistre rien du tout. Juste une image. Et puis il enregistre vraiment, hein. C'est-à-dire que j'ai le fichier sur Fraps, donc j'utilise la fonction pour fragmenter le fichier en partie de 4 Go. Et vraiment, il enregistre l'image, hein, ça lui prend de la place, ça fait des fichiers assez massifs, comme voilà quoi, c'est. Il enregistre ce qui arrive, et ouais, il garde la première image. Donc je sais pas ce qui se passe avec Doom et mon PC, mais ils sont pas bien compatibles, donc je vais jouer pour ma pomme dans mon coin, et puis c'est tout, hein. Malheureusement, au bout d'un moment, faut bien se résoudre devant la fatalité, n'est-ce pas? Et puis voilà. Donc tant pis. En attendant, comme vous avez pu voir, j'ai lancé Telf from Borderland. Hein, je me suis dit, tant qu'à foutre, autant faire un truc. Et puis il était déjà installé. Les autres jeux que j'avais à disposition, dont je vous avais parlé, dont personne n'a demandé un jeu en particulier ou quoi que ce soit, du coup j'ai fait au pif. Ils n'étaient pas installés, et donc c'était le moment de faire un live, et puis je fais merde, qu'est-ce que je vais faire? Et puis là, Telf from Borderland, pourquoi pas? Et donc voilà, donc actuellement j'ai fait en live les 3 premiers chapitres sur 5. Je devais ce matin, vendredi 24, c'est ça, 24, oui, faire le quatrième. Finalement, j'ai eu des problèmes de four. Mon mini four qui a décidé de sentir le grillé, il s'avère qu'en fait c'est le câble, enfin c'est la prise qui relie le câble d'alimentation au reste pour l'alimenter à l'intérieur du machin. Il y a un vieux domino tout pourri pour relier tout le bordel et le domino a commencé à cramer, à fondre doucement. Donc bon, c'était peut-être un peu urgent effectivement que je regarde ça ce matin. Bon, voilà. Réparation en cours. Mais donc voilà. Que veut dire d'autre? Ben, pas grand-chose d'autre. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, voilà. Donc du coup, courant semaine prochaine, je vous fais du coup les deux derniers chapitres. Et après, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais attaquer une Force Underground 2. Je regarderai pour télécharger un jeu pour vous faire quand même le mercredi après-midi. J'ai encore aucune idée de quoi du tout. Je commence à me dire que j'offrais bien du Borderland 1. Du fait que. Alors, comment ça se dit? Poot, P3OT. Je me suis jamais posé la question de comment ça se disait son pseudo. M'a mis des petits commentaires sur la première saison de Borderland. Enfin, sur le Borderland, les vidéos de Borderland 1. Quand je vois le truc, je fais merde, putain, mais la gueule du truc, quoi. Comment est-ce que j'ai pu oser mettre ça sur Internet, quoi? Ça tient à peu près la route, mais waouh! Alors on est en 4 tiers, le débit, enfin la framerate est au chiotte total, j'arrive pas de tomber à 20, 20 voire 15. Je me souviens que des fois sur Fraps, des fois ça m'affichait 15 quand j'enregistrais. Les graphismes sont au minimum du minimum quoi. Limite on est dans Minecraft. Et ouais, je me dis, putain, quand même, c'est pas lui rendre hommage à ce jeu. Hein. Le 2 est beaucoup mieux, hein, forcément, il a tout amélioré ce que les faiblesses du 1. Mais ouais, je me dis merde. Je me sens un peu mal quand même d'avoir ça qui traîne sur ma chaîne. Enfin bon, donc ouais, l'idée de refaire du Borderlands 1 me tente. Le truc, c'est que je me dis que ça serait plus sympa si éventuellement je pouvais être accompagné de 2-3 potes. Je dis bien de potes, pas d'abonnés, parce que sinon, si j'essaie de m'organiser avec vous, ça va être le bordel. J'avais déjà parlé de ça dans un des lives, je sais plus quand ni quoi, je ne saurais pas vous dire exactement quoi. Enfin, et quoi regarder pour avoir le résumé de ça. Mais en gros, le truc c'est que si j'essaie de faire ça avec des abonnés, ça demande que les abonnés aient des personnages au même niveau que le mien, pour qu'on puisse faire ça correctement. Ça demande aussi que toutes les connexions se passent bien, et ça demande aussi qu'il y ait un vrai feeling entre les participants, quoi. Parce que si j'invite effectivement un abonné et puis que ça peut être effectivement un gros con, hein, concrètement, je dis pas que vous l'êtes tous, qu'on soit bien clair. Je dis juste qu'effectivement sur Internet il y a des abrutis. Donc ça peut être gênant. Parce que Borderlands, en plus je peux même pas revenir en arrière pour dire de voilà,
J'ai fait un chapitre dans le vent, tant pis, je reviens au précédent et puis je referai ça bien pour la prochaine fois. Non, bah non, ça marche pas comme ça, là. Ou même quelqu'un qui est à l'inverse trop timide, par exemple, et qui ne dit pas rien du tout pendant la vidéo, ou qui joue très très mal. Ça peut poser problème aussi, ça. Donc je peux pas me permettre de faire quelque chose de. Je peux pas faire quelque chose théoriquement de propre, entre gros guillemets, avec des gens que je connais pas bien, quoi. Donc ça va pas être possible sur ce format-là de faire des choses avec vous. Mais c'est vrai que je sais que Rana, il a le jeu, Pause Café, il a le jeu, ma copine a le jeu, Romano, il a le jeu, même si Romano, c'est sûr qu'il aura pas le temps. Rana non plus, remarque qu'il est en train de bosser en ce moment, ce con, il a réussi à trouver un travail, bordel de merde. Et puis moi, je n'aime toujours pas. Et puis moi, j'essaie d'être tranquillement youtubeur raté. Je fais ce que je peux. Donc ouais, il y a peut-être moyen d'avoir des gens pour rejoindre le délire. N'est-ce pas? Mais puis au pire, tout seul, ce sera bien aussi, quoi. Parce que ouais, vraiment, j'aimerais bien faire tout ça. Puis en plus, en live, du coup, l'avantage du live, c'est que comme du coup, j'enchaîne les sessions de jeu et compagnie. Bah ça me permet de pas être trop dépaysé au niveau du jeu, et puis surtout de rester dans le jeu, et d'éventuellement enfin vous faire tous les DLC. Après tous les DLC de niveau Borderlands 1, j'ai fait les deux premiers, il manque Moxie et il manque la Robolution. Moxie, on s'en bat un peu les couilles, c'est juste des arènes. La Robolution, ça serait bien quand même que je le fasse un jour. Après voilà. C'est pas. C'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre à ce niveau-là? Je sais plus. Sinon, à part ça, Need for Speed Underground 2. Voilà, parce que j'essaie de dire deux comme ça. Ça va reprendre aussi. Je suis en train de vous balancer petit à petit, du coup, les vidéos que j'avais qui me restaient, donc de Need for Speed Underground 2. Je vais vous en faire une par semaine pour l'instant. Le temps que je finisse Pre-Sequel. Et surtout, bah, le temps que, bah, du coup, après la Medinazia, ma copine a une semaine de vacances et je ne vais pas passer sa semaine de vacances à faire du live, hein, dans mon coin. Ce serait un peu con quand même. Je sais même pas en fait combien de temps je vais rester en Belgique. Du coup, minimum vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, j'y vais. Samedi, convention. Dimanche, retour. Au pire du pire. Et puis, si entre-temps, j'ai pas trouvé de taf parce que j'ai des enfiles que j'attends des retours et tout machin. Bah on va peut-être rester un ou deux jours de plus sur place, quoi. Histoire de profiter un peu. On se tape 6 heures de route, autant que ça vaille le coup, quoi. Merde. Quand même. Et puis voilà, donc du coup, bah, la semaine après le 3 mars, la semaine du coup du 4 mars. Non, du coup du 5 mars, oui. Non, même pas. Ah. Calendrier à ma rescousse! La semaine du 6 mars, voilà. Il y aura probablement pas de live ou peu de live. J'en ferai certainement peut-être un ou deux avec ma copine, histoire de loler. Bah, sur quoi exactement? J'en ai aucune putain d'idée. Mais donc, c'est dans le domaine du possible. Puis peut-être quand même essayer de faire mercredi après-midi quelque chose. Quand même. J'aime bien garder l'idée de faire absolument un live le mercredi après-midi. Bon, dans le domaine du possible, évidemment, parce que si j'ai la méga crève, si c'était pour faire une vidéo de merde, on est d'accord, ça vaut pas le coup. Parce que le mercredi après-midi, bah, techniquement, il y a plus de chances qu'il y ait du monde, parce que bah, ceux qui sont encore en études, normalement, le mercredi après-midi, c'est rare que t'aies cours. À moins que tu sois dans des grosses études. Voilà, c'est pas au collège-lycée, normalement, que t'as des cours l'après-midi, le mercredi après-midi. Voilà. Bah, je pense que j'ai fait le tour. Donc ouais, en gros, au niveau de la chaîne, on se fait Tales from Borderlands, je trouve un jeu pour les mercredis après-midi. Ensuite, après Tales from Borderlands, il faudrait que j'enchaîne sur Need for Speed Underground 2. Même si du coup, pour la semaine prochaine... Ah bah si, parfait, pour la semaine prochaine. Du coup, lundi, mardi, je fais qu'un live et puis je finis Tales from Borderlands. Mercredi, je vous fais un jeu, et puis du coup, après, bah, c'est. Oui, parce que ma copine a aussi pris le jeudi. Parce que jeudi, du coup, ça va être préparation de tout le bordel, et puis départ vendredi, quoi.
Donc ouais, et du coup, ça me laisse le temps bien tranquille. Bah c'est cool. C'est cool, ça tombe nickel. Donc du coup, bah, Need for Speed Underground 2, ça commencera, je sais pas, bah, la semaine du coup du... Alors, 6 plus 7, alors 4, il reste 3, donc ça fait du 14. Bah non, du coup, ça fait du 13, non, 14. 14, oui, ça va, je suis pas con. Je suis pas encore complètement con, bref. Donc la semaine du 14, on pourra entamer Need for Speed Underground 2, quoi. Voilà. Du coup, sinon aussi, Tell for Borderland, vu que j'ai eu pas mal de toute façon de soucis niveau. Bah, les musiques déjà de Tell for Borderland. Ça me fait chier de perdre 3 heures de vidéo pour 3 minutes de musique. Donc, du coup, je récupère les rushs de live. Je les monte pour que le son, enfin, des musiques soient pas repérées. Et aussi, je coupe tous les moments de live qui servent à rien, genre les crashs, les trucs comme ça, parce que ça n'a pas arrêté d'arriver, genre de conneries. Les appels, trop d'appels, beaucoup trop d'appels. Je vous fractionne ça en parties de moins d'une heure, puis je rebalance ça, et puis comme ça me fait encore plus de YouTube money. L'argent, c'est bon. Et puis voilà. Donc ça, vous avez ça, j'ai déjà du coup 7 épisodes sous la main. Ils sont 12 déjà programmés tous les jours à 16h30. Du coup, ça vous fera aussi des épisodes pour vous occuper bah, quand je pourrai pas vous fournir de vidéos ni de live courant de la semaine du 6. Voilà. Et puis voilà. Voilà. Bref. Bon. Ça a été laborieux ce vlog, je vous dis à plus tout le monde, moi j'ai les pommes, veillez, portez-vous bien. Suivez mon Facebook et mon Twitter pour être au courant de tout ce qui se passe sur de la chaîne. Si vous allez à la Medinazia, essayez de vous rapprocher de mon Twitter ou éventuellement de mes messages privés Facebook. Si vous voulez qu'on puisse se voir éventuellement, il y a forcément un moment dans la journée où je vais pouvoir me poser dans un coin et puis on se capte vite fait, voilà. On serre la main et tout, fait la bise peut-être, je sais pas, je signe des autographes, t'as vu? Je suis trop famous. Allez! C'est vraiment que j'ai pas fait un allez. Enfin bon. Donc voilà. Allez, salut.